Hop. Allez, je vais essayer de mettre la tente avant que le soleil parte. Donc les arceaux, on va commencer par les grands. Voilà, alors c'est la première fois que je l'installe, hein, mais j'ai regardé le mode d'emploi avant. Alors comment savoir où est l'avant, où est l'arrière? C'est simple, il y a un code couleur. Donc avec la couleur des arceaux et la couleur à l'avant de la tente, eh ben, on ne peut pas se tromper. Voilà, donc ça reste assez classique. Il n'y a plus qu'à mettre les petits clips. On vient mettre la petite attache devant. Et voilà, alors cette tente, elle s'appelle la Convert 2, parce que c'est une deux places. Converte comme convertible, parce qu'en fait on peut l'utiliser juste comme ça, par exemple dans le désert quand il fait chaud, ou alors quand il risque pas de pleuvoir. Ce tissu, c'est du vin denier qui est respirant, donc ça c'est parfait. Vous passez une nuit dans le désert, il fait très chaud, la neige elle va être complètement bloquée, on risque pas d'en avoir, donc ça c'est parfait. Mais pour cette nuit, je vais quand même installer le double toit. Au niveau de chaque arceau, on a des petits velcro ici qui viennent entourer l'arceau. Hop, ça permet de bien maintenir la toile à sa place. J'espère que vous profitez du coucher de soleil. Quand il y a beaucoup de vent ou de mauvaises conditions, on a des haubans bien sûr de chaque côté. Bon, je pense que je vais être bien cette nuit. Alors il y a une astuce, comme c'est une tente convertible pour l'hiver, regardez, on peut ajouter un vestibule. Et ça, ça va être pratique, surtout que je vais pouvoir creuser un petit peu la neige pour agrandir mon vestibule, poser mes chaussures de ski par exemple pour la nuit plus à l'abri. Bref, ça va être top. Et pour lui donner sa forme, eh bien, je vais utiliser cet arceau. Alors ça, c'est des jupes par neige, c'est-à-dire que je vais venir recouvrir avec de la neige par-dessus, et comme ça, ça va être complètement étanche à tout ce qui peut passer. Bon, ici, il ne va pas neiger cette nuit, mais voilà, s'il y avait de la neige et du vent, ça passerait pas en dessous. Bref, on est super bien protégé. Millilitres. Et ben, y a plein de bonnes choses, on dirait. Hop, c'est parti pour 8 minutes. Allez, bon appétit. Hein. Vous avez vu comme c'est super ce vestibule? Plein de place. Au top. Ah, et puis l'hiver, ce qui est chouette, c'est de pouvoir creuser comme ça. En plus, ça fait une petite fosse à froid. Et puis, bah, on est bien comme ça, assis. Hein. Alors,
Ça fait du bien de manger chaud quand il fait froid dehors. Ce plat, je l'ai trouvé bien épicé. Alors si vous êtes amateur de ce style de plat, je vous note la référence dans la description de la vidéo. Et puis je vous donne un petit code promo qui vous permettra, comme d'habitude, de bénéficier des meilleurs prix chez Lyophilisé & Co. Bon, l'hiver, la nuit tombe vite. Il est 19h30. Et ben, je suis à l'intérieur de la tente. Heureusement qu'elle est super spacieuse. Alors là, vous, vous êtes dans le vestibule. Moi, je suis dans la tente. Regardez, je vais fermer. Hop. Alors, vous ne me voyez plus, mais regardez, il y a une fonction géniale sur cette tente. C'est que je peux ouvrir ici. Et regardez, là, il y a une moustiquaire. Et donc, l'avantage, c'est que l'été, par exemple, s'il fait bien chaud, vous pouvez ouvrir cette partie, garder la moustiquaire. Comme ça, vous êtes protégé des petites bêtes qui sont à l'extérieur. Et puis, il y a également une deuxième aération tout au fond de la tente. Très grande aération. Et donc, ça, c'est génial parce que plus il y a d'aération à l'intérieur de la tente, eh bien, moins il y a de condensation. Donc ça, c'est quand même un point très important. Allez, je referme, je vous dis bonne nuit et à demain, on se retrouve avec un magnifique paysage dehors, je l'espère. Ah, les premiers rayons du soleil qui arrivent. Ah, ça fait trop du bien. Bon, alors cette nuit, il a fait moins 5 degrés. À l'intérieur de la tente, j'étais très très bien. Il y a eu absolument zéro condensation. La tente est complètement sèche. Donc ce vestibule, vraiment génial en hiver. Donc là, vous avez la tente en configuration 4 saisons. Je vais commencer à enlever un petit peu les affaires. Je vais enlever ce vestibule. Donc là, on pourra voir la version 3 saisons, et puis après j'enlèverai la toile extérieure, et puis vous verrez la version quand il fait l'été très très chaud. Donc c'est une tente qui est vraiment polyvalente. Au niveau de l'espace à l'intérieur, bah, au niveau de la tête ici, on a 1m40 de large, donc on a vraiment de quoi s'étaler. Alors au niveau des dimensions et des poids, je vous note tout dans la description de la vidéo, juste en dessous.